Alors, monsieur le maire, il est 7 heures. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'octobre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ouvrir la séance et d'adopter l'ordre du jour? Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur Wolford propose. Appuyez. Appuyez, monsieur le maire. Monsieur le cavalier appuie. Conformément à l'arrêté ministériel impliquant des mesures d'encadrement concernant les séances du Conseil ordinaire ou extraordinaire, la séance de ce soir est tenue sans la présence du public en vidéoconférence et qui sera disponible sur le site Web de la Ville. Si les citoyens ont des questions sur la séance, veuillez les adresser à greffe@villepincourt.qc.ca. Tous les élus sont présents, ainsi que Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, et Mme Charlotte Gagné, greffière adjointe. Au premier point à la séance, c'est d'accorder une dispense de lecture des PV de la séance ordinaire du 8 septembre et de la séance extraordinaire du 30 septembre 2020, copie des 10 procès-verbaux ayant été transmis aux élus en conformité avec l'article 333 de la loi des cités et villes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Madame Bergeron propose. Appuyez. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Au point suivant, au niveau de la Direction générale des ressources humaines, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de septembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Madame Bergeron propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Claudine Giroir-Morel appuie. Dans les mouvements de personnel, c'est au niveau des travaux publics, 2 assignations temporaires, 4 assignations temporaires au niveau des incendies. Au niveau des travaux publics, 9 embauches temporaires. Au niveau des loisirs, 6 embauches temporaires. Au niveau des incendies, 5 embauches temporaires. Il y a eu une démission au niveau des incendies. Et aussi, M. Marcel Séguin, nous lui disons merci pour ses nombreuses années au service des incendies. Il a pris une retraite bien méritée. Au point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires par la Direction générale pour le mois de septembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie. Donc, il y a un transfert de 10 000 $ pour des pièces et accessoires pour des travaux connexes à l'usine. L'affectation du surplus de 96 000 $ pour la réparation de l'émissaire, nettoyage des boues à l'usine. Il y a aussi un 4 000 $ pour les dépliants inspection résidentielle. Et aussi 11 000 $ pour une mise à jour au niveau des radios portatifs du service d'incendie. Au point suivant. Considérant que l'offre de service précédente est venue à échéance le 31 juillet 2020, considérant que l'offre de service est d'une durée de 3 ans, débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 30 septembre 2023, c'est de renouveler l'entente de service avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, Desjardins Entreprises, d'autoriser la signature du directeur général et greffier et la directrice du service administratif et financier pour et au nom de la Ville de Pincourt, de l'offre de service entre la Ville et la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, Desjardins Entreprises. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. le cavalier propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Wolford appuie. Au point suivant. Considérant que la firme LBP Évaluateur, agréée, procède actuellement à une analyse visant à numériser les documents de toute sa clientèle, considérant que celle-ci dispose d'une copie papier en archive et de tous les immeubles résidentiels et non résidentiels situés sur le territoire de la ville de Pincourt,
c'est d'autoriser la firme LBP, évaluateur agréé, à procéder à la destruction des documents de la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Madame Claudine Giroir propose. Appuyez. Denise Bergeron, monsieur le maire. Madame Bergeron appuie. Maintenant, le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt au niveau des... Excusez-moi, nous sommes dans le... 2.5. 3.5, c'est le dépôt 2. Du rapport financier intermédiaire pour l'exercice financier 2020. Non, Yvan, c'est 2.5. Excusez. Je reviens à 2.5. C'est l'affectation de signature d'une entente intermunicipale entre la ville de Pincourt et la ville de Rigaud. Sauvetage en hauteur. Donc, considérant que c'est la deuxième génération du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, sera adopté ultérieurement. Et considérant que depuis 2009, les villes et municipalités, la majorité des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont signé une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence. Donc, c'est de renouveler, considérant que les parties considèrent qu'il est opportun de conclure une entente intermunicipale en cas d'intervention spécialisée en sauvetage en hauteur, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour au nom de la ville de Pincourt l'entente établissement de couverture en cas d'intervention spécialisée en hauteur. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Madame Boyer propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Claudine Giroir appuie. Donc, dans la résolution suivante, c'est la même, les mêmes considérants en rapport avec l'espace clos et qui sera partagé avec la ville de Rigaud. Auparavant, les deux entités étaient responsables, Rigaud de l'espace en hauteur et la ville de Pincourt de l'espace clos. Maintenant, on jumelle les deux responsabilités. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur le Cavalier propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est considérant que la demande est conforme aux diverses dispositions de l'article 23 de la Convention collective de travail, d'accorder à Madame Claudine Delisle, préposée à l'entretien ménager, un congé sans solde du 5 janvier au 2 avril inclusivement, selon sa demande déposée. Je vais proposer, M. le maire. M. Wilfred propose. Appuyez. Diane Boyer, j'appuie. Diane Boyer appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt par la trésorerie de la liste des dépenses payées du mois de septembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le Cavalier appuie. Donc, il y a eu 4 périodes salariales avec des montants moyens de, pour 3 périodes aux alentours de 100 000 $ et la période où les gens qui sont payés une fois par mois, 181 000 $ Au niveau du fonds d'administration, il y a eu des dépenses pour 3 210 970 qui se répartissent entre autres avec Desjardins Assurance, 60 000 $ Desjardins Sécurité financière, 33 000 $ Le receveur général du Canada, 69 000 $ Ministère du Revenu, 165 000 $ Capital Assurance et gestion du patrimoine, 2 factures, 54 000 $ À la MRC de Vaudreuil-Soulanges, une quote-part de 337 000 $ À la Régie de l'eau de l'île Perrault, 344 500 Et la grosse facture, c'est la sécurité pour la Sûreté du Québec, de 1 172 598 000 $ Au niveau de Pitney Works, 20 000 $ Leblanc Illumination, 13 000 $ TDJ Environnement, concernant l'herbe à poux, 12 359 $
Développement Iberville, deux factures pour un total de 58 000. C'est un paiement, remboursement de taxes, 30 000 $ pour 2019, 28 000 pour 2020, suite à une décision du tribunal administratif de remboursement de taxes. Au niveau de Leroux-Baudry, Picard et Associés, trois factures pour 30 000 $ Pétrole léger, 16 factures pour 19 000 $ Service Matrec, une facture de 85 000 $ et une autre de 75 000 $ Ça concerne tout ce qui est matière organique, collecte déchets volumineux, résidus verts. Mécanique mobile, 15 000 $ Le RTM, 54 000 $ Denis Bourbonnais, 23 factures pour 40 000 $ Lavage de cité, deux factures pour un total de 55 000 $ Le groupe Garda, la sécurité sur le territoire, 34 000 $ Hydro-Québec, 52 000 $ Construction Petro Indigo, 12 000 $ DL Canada, 10 000 $ Et au niveau du fonds d'immobilisation, un montant de 196 478 $ Donc, construction Jacques Théoret, 110 000 $ Souci aquatique au niveau de la piscine, 37 000 $ Construction RDJ, 16 000 $ La Joie, construction, 10 000 $ Pour un total de environ près de 160 000 $ Ça fait le tour des dépenses. Au point suivant, autoriser la directrice du service financier administratif d'aller en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels en évaluation foncière. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de? J'appuie, M. Maire. M. Wilford appuie. Et dans le même domaine, c'est d'autoriser, d'approuver les critères d'évaluation et de pondération suivants. Il y a six critères. Donc, le premier, c'est l'expérience du fournisseur pour 30 points. Dans le deuxième critère, l'expérience du soumissionnaire dans l'évaluation de centres commerciaux d'envergure et des concessionnaires automobiles qu'on retrouve sur le territoire, ainsi que des immeubles locatifs de 30 logements et plus, 10 points. L'expérience du chargé de projet, 20 points. L'organisation du projet, la capacité de relève, 20 points. Le cinquième critère, connaissance de la région couverte, 10 points. Et le dernier critère, le sixième, qualité de la présentation de l'offre et la compréhension générale du mandat, 10 points. Est-ce que j'avais un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Claudine Gérard-Morel propose, appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. OK. Monsieur Le Cavalier appuie. Renflouement des réserves financières, considérant les recommandations formulées tant par les auditeurs que par la direction générale, considérant les travaux réalisés en date du 20 août, considérant qu'il est dans l'intérêt de renflouer les réserves afin de pouvoir de pourvoir aux investissements futurs, considérant les surplus de l'ordre de 3 166 460 considérant qu'au terme de cet exercice, la ville de Pincourt aura un surplus accumulé réservé de 6 922 983 c'est de procéder au renflouement des réserves financières. Tout d'abord, en ayant une réserve pour remboursement du service de la dette de 500 000 $ réserve pour éventualité de 150 000 $ réserve pour projet de réfection d'infrastructures 300 000 $ réserve pour projet d'investissement en parc et terrain de jeu, excluant le fonds FIDUCIPAC, 40 000 $ réserve pour les projets spéciaux, 100 000 $ réserve informatique et amélioration des réseaux, 60 000 $ pour un total de 1 150 000 $ Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt du rapport financier intermédiaire pour l'exercice financier 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vous le propose. Je vous le propose.
Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Madame Claudine Giroir appuie. Donc, c'est conformément au règlement 788, la trésorière doit déposer lors d'une séance de ce soir et avant la séance au cours de laquelle le budget est adopté, un état comparatif des revenus et des dépenses. On trouve ci-joint le rapport pour l'année 2020. Juste quelques petites précisions. Au niveau du service administratif et financier, les droits de mutation immobilière qui génèrent habituellement un revenu de 660 672. Nous avons rencontré avec la COVID un ralentissement dans la vente des résidences sur le territoire. L'an dernier, nous avions 775 100. Nous estimons donc un revenu de 69 328 000 pour le dernier trimestre de l'année. Fait que donc, on prévoit un écart budgétaire pouvant varier de 135 000 et 204 000 selon les résultats du dernier trimestre de l'année. Il y a moins de résidences inscrites au rôle de prévu dans le projet Pointe-aux-Nord. De plus, la décision du TAP, comme mentionné tantôt dans les dépenses et remboursements, l'immeuble commercial et développement Iberville, situé sur le boulevard du Traversier, a eu une perte de 35 000. Donc, nous comptabiliserons un manque de revenus et d'intérêts de l'ordre de 77 000. Puis, les versements capital-intérêts sur les nouveaux financements des règlements qui seront déboursés seulement en 2021. Donc, il y a un écart budgétaire favorable de 370 750 pour l'année 2020. Afin d'alléger au niveau du greffe le fardeau des citoyens en cette période difficile de pandémie de la COVID-19, la Ville a décidé d'annuler la vente pour non-paiement de taxes en 2020. Aucun frais n'est à prévoir. Au niveau du service informatique, la pandémie a occasionné l'achat de nombreux ordinateurs portables et de nombreuses licences sur les postes informatiques afin de favoriser, pour tout le personnel et les élus, le télétravail. Donc, il n'y a aucun doute que le budget informatique sera entièrement utilisé. Et si nous désirons maintenir nos équipements performants, la trésorière suggère que le budget soit augmenté en 2021. En ce qui trait des services des travaux publics et des infrastructures, en période de pandémie, nous n'avons pas eu recours à tous les employés temporaires, incluant les étudiants que nous avions budgétés. Ce budget représente une somme de 282 300. Par contre, au niveau de l'usine d'épuration et des eaux usées, la pandémie a engendré des frais supplémentaires en fait de collecte de boue et d'achat de produits antivirus pour une totale somme de 21 150. J'attire l'attention au niveau des loisirs et services communautaires. C'est le service qui a été durement touché par la fermeture du centre communautaire et l'annulation de nombreuses activités au cours de la pandémie de la COVID-19. Donc, c'est une diminution des diverses dépenses en relation aux activités annulées, ce chiffre environ 640 000. Au niveau de l'aménagement du territoire, les revenus de vente de permis seront dépassés. Il y a eu l'ajout d'un immeuble à 32 logements sur le boulevard Cardinal Léger. La commission scolaire a ajouté à l'école Chêne-Bleu des classes temporaires qui vont totaliser un montant de 17 420 de revenus supplémentaires. La pandémie au niveau du service d'urgence et de protection d'incendie a eu comme effet d'avoir plus de présence de la sécurité publique. Donc, ça nous donne un dépassement de budget dans plus ou moins 30 000 pour la fin de l'année. Donc, malgré tout, les pronostics financiers sont positifs pour la ville de Pincou. Au niveau du point suivant, paiement mensuel des infrastructures pour le mois d'octobre. Au niveau de la construction du chalet de la piscine, au contracteur construction RDJ Inc., de payer la somme de 27 756,80 $, toutes taxes incluses, et que cette dépense soit payée par le règlement numéro 875.
À construction Jacques Théo-Ing pour le projet de la caserne et les ateliers, la somme de 606 749,74 $ sera payée par le règlement numéro 901. Au niveau de Chalex Infrastructure pour le projet de canalisation du 3e boulevard, la somme de 2 285,70 $, toutes taxes incluses, et que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet de réfection d'infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Yvan. Madame Bergeron propose, appuyez. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Au point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour l'aménagement de trottoirs à l'extérieur de la piscine municipale auprès de l'épavage La Cité pour la somme de 11 544,99 $, toutes taxes incluses, que cette dépense soit financée par le fonds réserve parc, terrain de jeu et stationnement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Madame Boyer, appuyez. Je vais l'appuyer, Yvan-Denise Bergeron. Merci. Au point suivant, considérant le processus d'appel d'offres qui s'est terminé le 6 octobre 2020, considérant que la Ville n'a reçu qu'un soumissionnaire, d'octroyer le contrat pour la manutention, le transport, la valorisation et ou l'enfouissement des boues de l'usine d'épuration pour une durée de 3 ans, avec la possibilité de 2 années d'option auprès de Viridis Environnement pour la somme de 792 591,66 $, toutes taxes incluses, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyez. Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford appuie. Au point suivant, c'est d'amender la résolution d'une façon à ajouter le paragraphe suivant, c'est la résolution 2020-09-307, que cet emprunt au fonds de roulement soit remboursé en 5 paiements annuels égaux de $15 038,73 à compter de l'exercice financier 2021. C'est un proposeur. Le proposé, M. le maire. M. le Cavalier propose. Appuyez. On l'appuie, M. le maire. M. Wilford appuie. Merci. Au point suivant, c'est d'entériner le mandat pour le pavage de diverses rues suivant recherche de prix auprès de l'épavage La Cité BM Inc. pour la somme de 28 470,08 $, toutes taxes incluses, que cette dépense financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Merci. Appuyez de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le Cavalier appuie. Au point suivant, c'est concernant le contrat de location de glace intervenu entre le groupe LEC Inc., Arena des Cités Jeunes, l'Association de hockey mineur Île-Perrot Inc. et les villes de Pincourt, Île-Perrot, Notre-Dame de l'Île-Perrot, considérant que le montant sera entièrement remboursé sur les termes de l'entente de remboursement conclue entre l'Association de hockey mineur Île-Perrot et les mêmes villes, d'autoriser le paiement de la quote-part de la ville de Pincourt pour la location des glaces conformément au contrat. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose. Appuie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir appuie. Dans le point suivant, 5.2, d'autoriser le directeur des loisirs et services communautaires et ou le directeur général à présenter une demande de subvention au programme Aide aux initiatives de partenariat pour conclure une entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications, que la Ville de Pincourt s'engage à assumer à même le budget annuel la portion non subventionnée des coûts associés à ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Et appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Autorisation
D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente de remboursement pour la saison 2020-2021 entre l'Association de communards de l'île Pérou et les villes de l'île Pérou. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. Wilford propose. Appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie. Merci. C'est le point suivant, c'est d'autoriser le barrage routier de l'Association des pompiers volontaires de Paincourt pour une levée de fonds pour, au profit de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges le samedi 14 novembre 2020 à l'intersection du boulevard Cardinal Léger et du boulevard Traversier à Paincourt. Bien entendu, le barrage n'aura pas lieu selon les directives de la santé publique à ce mois-ci a lieu. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Et appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Claudine Gérard-Morel appuie. Et on se rappelle que sur le territoire de la ville de Paincourt, il y a simplement deux barrages routiers qui sont autorisés à chaque année. Dans le point suivant, d'autoriser le mandat donné du service d'urgence et de protection incendie, suivant recherche de prix, pour la fabrication et l'installation de clignotants pour la traverse piétonnière située sur le boulevard Cardinal Léger auprès de Lagacé Electric Inc. pour la somme de 4 331,71 sous, toutes taxes incluses, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire, Denise Bergeron. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le cavalier appuie. Maintenant, on s'en va au niveau de la greffe et des communications. De reconnaître la tenue de la Commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture le 21 septembre, de la Commission des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire le 28 septembre. C'est un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. le cavalier propose. Appuyé. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Mais en 8.1, 8.2, donc c'est un avis de motion. C'est beau, Yvan, je vais le faire. J'annonce qu'un règlement décrétant le tarif de compensation pour les services de ramassage, transport et disposition des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des matières organiques pour l'année fiscale 2021 sera déposé sur la table du conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci, Mme Bergeron. Est-ce que Mme Boyer peut faire la lecture de la prochaine avis de motion? Alors, j'annonce qu'un règlement décrétant l'imposition des taux de taxes foncières générales pour l'année 2021 sera déposé sur la table du Conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci. Monsieur Le Cavalier, est-ce que vous pouvez faire la prochain avis de motion, s'il vous plaît. Oui, j'annonce qu'un règlement décrétant le tarif de compensation pour le service de ramassage, transport et disposition des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des matières organiques pour l'année fiscale 2021 sera déposé sur la table du Conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci. Madame Claudine Gérard-Morel, s'il vous plaît, la prochaine avis de motion. Oui. J'annonce qu'un règlement décrétant l'imposition d'une taxe foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, tel que montré au rôle d'évaluation en vigueur, pour acquitter en 2021 la quote-part de la ville de Paincourt au service de la dette de la Régie de l'eau de l'île Perrot, sera déposé sur la table du Conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci beaucoup. Donc, tous ces avis de motion sont en fonction de l'adoption du futur du budget 2021. Donc, chaque avis de motion va être suivi d'un règlement. Donc, au prochain point, considérant que la ville de Paincourt a rejoint en 2015 l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat commun d'assurance responsabilité pénale
en matière de santé et sécurité. Concernant que le contrat vient à échéance le 31 décembre 2020, il sera proposé et appuyé de renouveler l'entente, cette dite entente, et d'autoriser la signature par le directeur général et greffier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé. Je vais l'appuyer, seulement. Madame Claudine Giroir-Morel, appuie. Merci. Au point suivant, c'est considérant la demande du comité de sécurité publique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à chacune des 23 municipalités, considérant les problématiques observables sur le territoire de la ville de Paincourt. La ville de Paincourt identifie auprès du comité de sécurité publique de la MRC les priorités d'action suivantes pour 2021-22. Respect des arrêts obligatoires, respect des passages piétonniers, surveillance des stationnements municipaux. Et c'est des demandes qui nous sont adressées tout le long de l'année par les citoyens. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. Wilford propose. Appuyé. Denise Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Nous avons reçu des questions, donc je vais répondre à deux questions. D'abord, c'est une question sur le chemin des tours. Les travaux sont terminés et il n'est pas question d'aménager un parc à court terme. Quant à l'inquiétude de la présence d'eau stagnante à plusieurs endroits sur le chemin des tours. Je remercie le citoyen de nous faire part de cette observation. Elle sera transmise au service des travaux publics et infrastructures. La deuxième question se demande si la proposition au règlement 904 écarte la portée de l'étude écologique. Le règlement 904 consulte les citoyens sur un emprunt de 4,3 millions afin de conserver le boisé. Le conseil de ville a pris en considération toutes les études demandées et ou des études qui ont été déposées afin d'arriver à un règlement d'emprunt. J'invite tous les citoyens qui ont besoin de plus amples informations de consulter le site web de la ville de Paincourt. Et nous arrivons à la levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. le cavalier propose. Appuyé. Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Fait que merci à tous les élus. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur le maire, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.